vrai dire, par rapport aux matchs amicaux, on a beaucoup mieux joué, on a eu beaucoup de fluidité dans le jeu, on a eu quelques occasions, et bon, malheureusement, on prend un but sur une frappe déviée, donc beaucoup de déception au niveau du score, mais c'est plutôt encourageant au niveau du jeu. Il n'y a pas grand-chose à dire. On a fait une bonne entame, bien en place, agressif sur le porteur du ballon. Ça, on a tenté pas mal de choses. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce pénalty qui est assez généreux. Guillaume a fait le nécessaire et puis on a continué à s'accrocher. C'est vrai qu'après la coupure, on a eu un petit peu de mal. Et puis sur une erreur de notre part, ben, on a payé cash. Après, à partir du moment où on court derrière le score, c'est plus la même chose. Non, on a eu des occasions, on les a pas mises au fond, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je pense que pour un premier match, il y avait beaucoup de volonté de notre part. C'est vrai que malheureusement, il n'y a pas le résultat au bout. Ce qui est dommage parce qu'on est toujours déçu quand on met beaucoup de volonté à faire quelque chose, qu'il n'y a pas de résultat au bout, c'est toujours un peu décevant. Donc voilà, on était un peu déçu, mais bon, dans le football, c'est comme ça. Enfin, dans le sport, c'est comme ça. Il faut rebondir, c'est comme dans la vie. Maintenant, il faut attendre le prochain match à Boulogne pour essayer de rectifier le tir et essayer de récupérer ces points qui nous ont fait défaut hier. Je pense qu'on a fait un bon match. Dommage qu'il n'y a pas marqué de but. On avait des occasions pour marquer le but. Et les Mets avaient la chance aussi qu'ils aient marqué un but là incroyable. Mais je pense qu'on était costauds sur le match. On a mouillé le maillot. On a fait un bon match. On va dire gommer ces petites erreurs, d'inattention qui nous amènent le but, par exemple, et puis appuyer plus l'attaque, quoi, aider plus nos attaquants pour qu'on marque des buts. Et voilà. La concentration, plus qu'autre chose, la concentration sur chaque ballon, sur chaque truc. Mais je pense qu'il y a eu du progrès. On a montré quand même un beau visage ce soir. Et puis c'est le début à nous accrocher pour vite inverser la tendance. Et puis aller faire un bon résultat à Boulogne. Je crois tout simplement être encore plus rigoureux parce que je pense que sur le but on était un peu dispersé au niveau de la mise en place sur le terrain. Et ensuite un peu plus de. Enfin être plus concret devant le but, quoi, parce que je crois qu'on a eu l'occasion pour revenir, ou une ou deux occasions pour revenir, et malheureusement on n'a pas réussi à les mettre au fond. Donc il y a ces deux aspects-là. C'est pas grand-chose, il y a ces deux petits détails, mais le match s'est joué là-dessus hier. Donc je crois que c'est ça. Sinon, comme je l'ai dit, garder la volonté, on n'était pas trop mal en place, il y avait beaucoup d'envie, donc garder ça et améliorer aussi un petit peu peut-être notre transmission de balles dans le jeu, quoi. Je pense que on a besoin de travailler un peu plus d'avant le but, marquer les occasions, de jouer un peu plus compact, plus costaud, que l'adversaire ne peut avoir pas beaucoup d'espace. Je pense que ça, c'est le point plus qu'on a besoin de travailler. J'ai entendu ça, le Cop New School gagnant, c'est ça? Donc, si ça peut faire plus de bruit, nous encourager encore plus, tant mieux. En face, ouais, j'ai vu. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Plus il y a de monde pour nous encourager, mieux c'est. Oui, j'avais appris ça parce que j'avais rencontré le Cop Rouge là, avec Nicolas Savino et le coach et Belougou. Donc, on était au courant de ça. Donc, on a vu qu'il y avait un nouveau Cop de l'autre côté. Et justement, le Cop Rouge, j'espère que le fait qu'il y ait un autre cop de l'autre côté, ça puisse amener encore plus d'ambiance et qu'ils puissent mutuellement nous aider à aller de l'avant, quoi. C'est bien ça, c'est bien quand le supporter vient pour nous aider. C'est bien, on a besoin de supporters. Et ça, c'est important pour le groupe qui vient là et pour nous aider.
Je dirais sur un plan non personnel, je dirais la finale de la Coupe du Monde, je crois. Hein. C'est vraiment un match mythique, même si avant ça, quand j'étais plus jeune, le match France-Brésil-Mexico, c'était vraiment un match à part. Donc on va dire ces deux matchs-là, je dirais France-Brésil, parce que je commençais à bien comprendre le foot et ça m'a marqué. Et puis la finale de la Coupe du Monde. Et après, sur un plan personnel, je crois que c'est mon premier match en pro, quoi. Ma première titularisation, on jouait à Rennes et puis on avait gagné 3-2 là-bas. Donc c'est un fait marquant, quoi, ça. Ah, un match qui m'a marqué, c'est la fin. Ici en France, tu dis partout. C'est un match du Flamengo, c'est l'équipe au Brésil. La finale de 92, championnat brésilien. Flamengo a battu Botafogo et a été champion. Je pense que j'ai un an de contrat. Je n'ai pas d'offre. Le président n'a rien dit aussi à moi. Je pense que je vais rester là cette année. Ça va mieux. La semaine prochaine, je commence à travailler normalement avec le groupe. Thank you.